Bonsoir. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté l'invitation à cette première discussion avec Dave et Isabelle. Comme je dis, on a eu 100 inscriptions. On est vraiment super contents. Une super belle réponse, là. On voit qu'il y a de l'intérêt pour ce type de formation. C'est une première aussi pour Dressage Québec qui présente ça. Donc, si vous connaissez dressagequebec.ca, je vous invite à aller voir, aller visiter ce site web de dressage. J'ai ouvert le chat à droite, donc si vous avez justement voulu nous dire bonjour, vous avez des questions, des commentaires. On a reçu déjà plusieurs questions des participants avec leur inscription, donc c'est surtout ces questions-là qu'on va répondre en premier. Si on a le temps à la fin, on va répondre à quelques questions. Par contre, vous avez peut-être vous pouvez reprendre jeudi prochain parce que Dave va nous offrir une autre séance la semaine prochaine, jeudi. Ou est-ce que ça va être une séance plus pratique cette fois-ci? Ce soir, c'est plus théorique. Donc, la semaine prochaine, on va être dans la pratique. On va tester la méthode Dave Tin avec le Feldenkrais. Donc, ça va être aussi super intéressant. Donc, je vous invite tout de suite là, à mettre ça à votre agenda pour la semaine prochaine. Ça va être le même code Zoom. Je vais vous renvoyer un rappel. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle de la soirée. Donc, pour les micros, je pense qu'on est vraiment bon là-dessus. Tout le monde, on a bien respecté la consigne. Donc, d'abord, ben merci beaucoup à Isabelle et Dave d'être là ce soir, de prendre le temps là, de partager vos connaissances. Vous êtes tous les deux très actifs là, depuis nombreuses années sur la scène équestre du Québec. Je vais commencer par vous présenter. Je pourrais passer pas mal de temps à énumérer vos succès, vos accomplissements. On va quand même essayer de résumer là, en quelques lignes pour aujourd'hui. Donc, Isabelle, tu es coach depuis 30 ans déjà. Tu te spécialises sur la locomotion et les mouvements du cheval selon la discipline, mais surtout en dressage et en réadaptation. Tu travailles beaucoup avec ta fille Béatrice Boucher, qui est bien connue et est reconnue athlète élite, et avec des chevaux qui ont des problèmes de comportement au sol et en selle. Tu coaches des athlètes de tous les niveaux en compétition sur le circuit canadien en été et tu as la chance d'être en Floride l'hiver. Et Dave, tu es originaire de Montréal. Tu as déménagé au Massachusetts en 2013 et Dave est propriétaire de l'écurie Asper Farm. Tu détiens une licence internationale d'entraîneur niveau 3. Tu as fait de la formation d'entraîneur en Allemagne, majoritairement. En 2018, tu as terminé ta formation professionnelle sur la méthode Feldenkrais et tu as développé la méthode Dave Tin, qui permet d'avoir une meilleure assiette. Aider le cavalier à être plus souple et plus conscient de son corps, de ses aides. Donc, c'est ça aussi qu'on va aller plus en profondeur la semaine prochaine là, sur ces aspects. Tu as compétitionné là, au niveau FEI en tant que cavalier et tu as aussi des élèves, bien sûr, à tous les niveaux, autant aux États-Unis, au Canada et en Europe. Donc, pour commencer, Dave, puisque notre sujet est qu'une meilleure assiette permet d'améliorer la communication avec le cheval, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer la relation justement qui est si importante, le lien entre l'assiette et puis la réponse qu'on aura de notre cheval suite à ça. Oui, en premier, je veux dire bonjour à tout le monde, bonsoir et merci beaucoup à Jasmine pour organiser ça pour tout le monde. On se connaît depuis longtemps, Jasmine, et c'est un plaisir d'être ici avec toi et Isabelle ce soir. Donc, ce sujet, pour moi, c'est très spécial parce que oui, je monte en dressage, mais n'importe quelle discipline qu'on monte, c'est ça qu'on a besoin d'essayer de améliorer. Donc, c'est la façon qu'on communique avec nos chevaux. Et si c'est le cas de notre assiette, ça, c'est la façon qu'on peut communiquer. C'est la langue, en effet. Donc, comme tous les chevaux sont un peu différents, il y a des règles, on peut dire, des lois de biomécanique. Si on connaît un peu sur ça, l'idée, c'est d'être flexible. Flexible dans le corps, mais aussi dans la tête un peu. Parce qu'il faut toujours s'adapter aux chevaux. Et la façon, c'est quelque chose qui change, c'est dynamique. Donc, pour moi, de parler de ce sujet, c'est vraiment d'insister que ce n'est pas l'idée d'une position, c'est l'idée de, oui, on sait un peu où est-ce qu'on veut se rendre, mais l'idée d'être flexible et aller un peu avec les chevaux et les écouter. Merci. Isabelle, de ton côté, si tu veux donner ton point de vue là-dessus. Oui, bien, en fait, merci. Merci à vous deux de m'avoir invité. Et puis, salut tout le monde. J'en vois beaucoup de visages que je reconnais. Ça, c'est bien.
Alors, on parle beaucoup de l'assiette, je trouve aussi. Tu as fait beaucoup le tour, Dave, mais en partie aussi, moi, je trouve ça super important. On le dit souvent, l'assiette, c'est la place dans notre corps, si on veut, qui est le plus en contact avec le cheval. Et puis, de ce côté-là, ça peut changer tellement de choses, la cadence, les impulsions, même le comportement d'un cheval qui semble peut-être moins content d'être monté. Et puis, si on change un peu la flexibilité puis une bonne assiette, des fois, ça peut juste changer. Donc, ça, c'est bien. Puis, je pense qu'on fait une belle soirée pour que tout le monde ait des réponses peut-être à leurs questions, mais aussi des exercices là, que je vais vous donner tout au long de la soirée. Exact. J'imagine que vous deux, dans votre expérience d'entraîneur, vous avez pu voir justement avec vos élèves les résultats lorsque vous travaillez plus particulièrement justement à améliorer leur assiette, à quel point que la performance peut être améliorée, comment le cheval va être plus heureux, le cheval va réagir mieux. Donc, j'imagine que c'est en pratique aussi, c'est des choses que vous voyez à tous les jours qui sont assez évidentes dans votre day-to-day. Oui. Oui, je suis d'accord aussi. Oui. Donc, on va aller avec les questions que vous nous avez soumises. Évidemment, c'est en lien là, avec la thématique. On a eu des questions. On va commencer par Isabelle. Donc, comment avoir une assiette plus fluide et comment améliorer mon assiette? Donc, j'ai conjugué un peu les deux questions, là, vu que ça va quand même, c'est assez complémentaire. Pendant qu'Isabelle répond, je vais passer une vidéo en même temps et puis ça pourra supporter la réponse, je crois, d'Isabelle. Et en fait, cette question-là, c'est une grosse question qu'on pourrait, dans le fond, parler longtemps là-dessus. Ce soir, je vais vous en donner quelques petits exemples. Sur la vidéo, en fait, on voit Ruth qui est là, qui fait plusieurs disciplines également. Et puis, elle a vraiment un assiette très fluide qui ne va pas au-delà non plus du mouvement du cheval. Elle respecte le cheval. Et puis, elle va vraiment avec, juste ici, on voit une élongation au niveau de l'encolure. Et puis, justement, le cheval ne bouge pas d'une miette, il fait juste aller vers le contact. Ça nous prouve pas mal au niveau de l'assiette. Je vais remettre un petit peu. On peut vraiment avoir une assiette assez parfaite que tous les cavaliers pas mal parfaite. Exactement. Ouais. Pour l'améliorer, ben, il faut faire plein d'exercices, c'est sûr, à cheval. Et non à cheval. Tantôt, tu en as parlé qu'au niveau au sol, que Dave, la semaine prochaine, va faire une autre séance. Mais à cheval, moi, je vais parler d'un peu à cheval parce que c'est une partie où ce que les cavaliers ont beaucoup de la difficulté à améliorer. Et puis, ça part tout du pelvis, en fait. Les hanches, le pelvis et tout ça. Et puis, souvent, c'est qu'on se tient un petit peu trop sur notre équilibre. On va s'accrocher au niveau de nos cuisses, de nos genoux, ou même des mains. On va s'accrocher sur les rênes. Le cheval s'habitue à ça, qu'on s'accroche à lui. Donc, il garde la tension pour nous permettre d'être en équilibre, mais avoir une assiette plus fluide, souvent nous permet justement de relaxer nos jambes et avoir des aides indépendantes. Donc, une petite exercice qu'on peut faire souvent, c'est quand on arrive, on monte sur notre cheval. Première chose, c'est juste de s'étirer. Oui, on peut s'étirer au sol, mais à cheval aussi, on peut l'étirer. Donc, on peut prendre, par exemple, notre cheville, aller la porter vers, mettons, on va dire, vers nos fesses. Ça dépend de notre âge. Hein? Jeune, on est capable jusqu'aux fesses. Plus vieux, peut-être un peu moins. Mais aller étirer au niveau du pelvis, des psoas, ouvrir notre bassin vers l'avant. Aussi, une autre chose que, au fil des ans aussi, je me suis aperçue que au niveau du heavy point, on parle de heavy point en anglais, point d'équilibre en français, chez le cheval, n'est pas toujours parfaitement pareil pour chaque cheval. On va dire que ça se situe environ entre la 13e et 16e vertèbre thoracique. Et puis, il y a des chevaux que c'est plus en avant, il y a des chevaux que c'est plus en arrière. Ça va aussi avec le bâti du cheval, s'il est plus opile ou si les fesses sont plus hautes que le garrot aussi également. Fait que quand on trouve notre place dans le heavy point,
c'est sûr que c'est plus facile également. Fait que regardez aussi votre selle. Est-ce que votre selle est trop vers l'arrière ou vers l'avant au niveau du heavy point? Pourrait vous donner la première chose, là, quand moi j'arrive puis je connais pas les gens, c'est la première chose que je regarde la selle, est-ce qu'elle est assise au bon endroit? Puis sinon, il faut juste, des fois, juste reculer un peu, avancer un peu, sans déranger le cheval. Ensuite de ça, j'ai parlé tantôt juste un peu au niveau des mains. Je pense que les mains, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. Pour avoir une assiette fluide, il faut avoir des mains aussi relaxes et fluides. Et puis, il faut aller avec la bouche, avec l'encolure de notre cheval. Mais vous pouvez faire des exercices, mettre une main sur les rênes, l'autre sur pas de rein, avoir un verre d'eau, juste se promener avec le verre d'eau qui va le renverser, pas trop, même galop, ça peut se faire, puis des deux mains, et puis comme ça, vous allez pouvoir plus trouver votre place, et puis savoir aussi quand ça bouge trop, ça bouge trop. Puis ça va empêcher aussi que vous agrippiez sur vos reins. J'ai des petites notes. Au niveau... Tu sais, quand on est enfant, on joue, on se tape sur la tête puis on se frotte notre ventre. Bon, ben avec nos deux mains, là, tout le monde a fait ça quand on était jeune, je suis sûre. Pour avoir cette coordination-là, on l'a pratiqué et pratiqué et pratiqué. C'est la même chose aussi. Donc, notre assiette, on l'habitue à être indépendante des autres aides. Et aussi, pour trouver cette place-là, il faut commencer au pas, trouver qu'on est bien fluide avec le cheval au pas, faire que quelques foulées des fois au trot ou même au galop, revenir au trot, revenir au pas, ça dépend de chaque personne, il y en a qui aiment mieux faire du galop, mieux faire du pas pour trouver sa place, fait que ça, chacun a faire ses choix. Et aussi, également, ce que j'aime bien faire aux gens, c'est au niveau de... Du posting au niveau du trot enlevé. En fait, on fait trot enlevé 10 foulées, trot assis 10 foulées à debout, etc. Juste pour aller chercher un équilibre. Avoir un équilibre aussi sur notre selle va nous aider également à aller chercher notre assiette un peu plus fluide. Puis, bien sûr, on a parlé beaucoup des exercices d'assouplissement. Mais avoir un bon plan de travail, un bon plan d'entraînement au sol, par exemple avec Dave, et à cheval avec Dave aussi, ou avec tous vos entraîneurs ici, aussi pour point par point. C'est pas juste une chose en particulier, l'assiette, mais c'est tout en même temps parce que l'assiette est attachée après nos jambes, après notre corps. Et pour moi, c'est important d'être capable de différencier tout ça. Voilà. Au niveau des exercices pas d'étrier, est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans le plan? Oui, c'est ça. J'ai aussi pas d'étrier. Je l'avais écrit au début, je l'avais enlevé, comme ça je l'ai remis. Pourquoi? C'est que l'exercice pas d'étrier, il faut faire attention sur une chose, c'est la sécurité en premier de chaque cavalier. Donc, si on enlève nos étriers, c'est pas parce qu'on est seul dans l'écurie, genre. Mm-hmm. On va vraiment le faire si on a quelqu'un avec nous. À la longe aussi, voltige, c'est super intéressant. Voltige, peut-être pas pour faire vraiment les figures de voltige, mais juste pour être assis au niveau de nos ischions aux trois points qui sont importants au niveau du pelvis. Mais pour être indépendant puis aller chercher le mouvement puis pas souvent on override nos chevaux, mais je m'excuse en glissisme, nos chevaux, puis juste ça nous permet pas de bien relaxer puis de suivre le mouvement puis du cheval en fait. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je jouais avec, je savais pas trop si j'étais pour le mettre. Une autre chose aussi, c'est plus qu'on vieillit, plus qu'on a de peur à enlever nos étriers. Fait que ce que je fais faire aussi aux élèves souvent, c'est d'enlever un étrier à la fois. Puis, vu que l'entraîneur est là, on est capable de dire, OK, on enlève un étrier, fais attention, on reste bien assis, bien droite, etc. On détend bien la jambe. Puis, après tous ces exercices-là que vous pouvez faire avec votre entraîneur ou par vous, souvent, on relâche les jambes, puis on s'aperçoit que nos étriers sont trop courts. L'étrier devrait être, le plancher de l'étrier devrait être à la malléole de la cheville, donc à l'os de la cheville, environ.
Alors, à ce moment-là, pour le reste, fait que souvent, faites les exercices pendant votre warm-up et ensuite, pendant votre période d'entraînement, 20 minutes, mettons 25 minutes, bon bien, allez les allonger si vous avez besoin de les allonger ou de les raccourcir, ça se pourrait aussi, là, remarquer. Mais pour le faire, puis de travailler avec votre bonne longueur d'étrier. Voilà. Merci de rappeler le rappel de sécurité. Ouais. Donc, c'est ça. On conseille surtout l'allonge supervisée avec l'entraîneur, mais c'est vrai que le travail sans étrier, c'est vraiment bénéfique pour les cavaliers de tous les niveaux, hein, peu importe, cavalier très avancé. Comme, exact. Plus... Oui, on le fait tous, souvent, même les Grands Prix, on les voit. Tout à fait. Ils ouvrent leurs étriers. Des fois, ça ne fonctionne pas super bien avec le cheval. On a de la difficulté avec la communication. Puis on enlève les étriers, puis là, tout d'un coup, ça fonctionne. C'est parce qu'il devait manquer quelque chose, peut-être l'assiette, peut-être la souplesse, mais peut-être aussi avoir une longue jambe qui pouvait bien indiquer les ailes et directives à notre cheval. Parfait. Merci beaucoup. Dave, est-ce que tu veux en rajouter sur cette question ou tu veux en parler plus la semaine prochaine sur ce sujet? Oui, on va en regarder un peu la semaine prochaine, mais juste pour clarifier quelque chose. Donc, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Et Isabelle a utilisé l'idée de dire « heavy point ». Donc, en effet, c'est une expression allemande. Donc, la raison que je veux expliquer... C'est quoi? Moi, j'utilise en anglais parce que pour moi, le mot en anglais, centre de gravité, center of gravity, c'est pas la même chose que heavy point. Donc, par heavy point, ça veut dire que si on a la ligne qui représente où est-ce qu'il y a le centre de gravité, en allemand, l'idée de heavy point, ça veut dire qu'il y a une pointe lourde. Et pour moi, l'idée d'une pointe lourde, ça dit beaucoup plus que le centre de gravité. Pourquoi? On sait bien où est-ce qu'il y a le centre de gravité ou le point lourd. Et dépendant sur le stage d'entraînement ou le réchauffement ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait, la conformation du cheval. Après, l'idée, c'est qu'on veut que le cheval de ses arrières avance en avant de la ligne du centre de gravité, donc le point lourd. Et l'idée, c'est de transférer le point lourd plus en plus vers l'arrière. Donc, c'est sûr que l'assiette, ça va changer beaucoup avec. Et oui, on peut dire qu'un cheval ressemblé, le colonne vertébrale, peut se ressembler à un cheval qui saute. OK? Donc, si c'est le cas dans une pirouette, le piaffé passage, et aussi dans les caprioles et tout ça, on transmet un peu plus le poids en arrière. Et on prépare le cheval de se ressembler. Donc, le colonne vertébrale va changer, l'assiette va changer. L'autre chose que je veux dire, c'est que je sais bien en français, même en anglais, l'assiette veut parler vraiment de le pelvis, le bassin, mais en allemand, Sitz, the seat, c'est tout le corps. Donc, c'est pour moi une autre chose. Donc, Jasmine aussi, elle a été en Allemagne pour aller apprendre et on a beaucoup discuté sur ça. L'idée d'apprendre là-bas, c'est aussi de voir c'est quoi les mots qui aident les gens à apprendre bien de le départ. Donc, OK, ils n'ont pas un mot exprès pour pelvis, oui, ils vont parler de bassin, mais ils vont dire assiette. Je sais en France, ils vont dire souvent l'assiège, mais pour moi, quand je parle de l'assiette, c'est tout le corps. Donc, je sais que dans les règlements, ça va parler de position, mais c'est un peu comme l'idée de, OK, est-ce qu'on dit heavy point ou centre de gravité ou est-ce qu'on dit position? Et je sais que ça peut changer beaucoup de choses. L'autre chose, c'est que, donc, des petites choses, c'est quoi que les petits-enfants en Allemagne, ils vont apprendre, c'est quoi les petites raisons qu'ils vont monter mieux? Donc, ils montent beaucoup avec ce qu'ils appellent là-bas la Kreutz. Donc, en effet, c'est juste le bas du dos. Et je me rappelle de ça, j'ai dit un jour, une de mes premières fois là-bas, j'ai dit, oh, tu montes très bien. Il a dit, bien sûr, c'est mon père qui m'a fait apprendre à monter avec mon Kreutz. Et j'ai dit, c'est quoi le Kreutz? Et je veux ça aussi. Donc, oui, mais c'est l'idée de monter par le bas du dos. Et on voit ça beaucoup dans l'assiette classique de l'Europe. Et souvent, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui vont parler du core
et les abdominaux et d'être vertical, position. Pour moi, c'est trop rigide. Donc, si les petits mondes sont différents, la façon de penser à tout ça, et on met tout ça ensemble avec ce que Isabelle a dit. Alors, oui, un étrier, des deux étriers, mais sûr avec la sécurité, parce que si on n'est pas sécurité, en sécurité, oui, on peut se blesser, mais les cuisses, Isabelle a commencé avec les cuisses vont tout de suite faire ça. Et nos corps, à nous, si on n'est pas en sécurité, c'est sûr qu'on va aller un peu comme ça. Donc, on ne peut pas monter avec le bas du dos et avec les abdominaux un peu lousse si on a peur. Les yeux vont faire quelque chose, on va arrêter de bien inspirer. Donc, c'est toutes les petites choses que nos ancêtres ils faisaient. Oh, il y a quelque chose qui va toucher la tête. Oh, il faut sauver la gorge. Ou si, il faut sauver. Donc, c'est, on peut dire que c'est une programmation très vieux. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter. Merci. Merci. On a des exercices, j'imagine, la semaine prochaine, on pourra avoir un peu plus de détails justement sur comment aller au niveau du bas du dos, être plus efficace ou aller être plus... Exactement. Là pour l'assiette. Là. Le sujet, ça va être le bas du dos, les hanches. Ah, oui. Et aussi l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire d'aller vraiment dans la partie de le système nerveux qui on est calme, on est bien, on n'a pas peur. Et des fois, il faut mieux apprendre c'est quoi d'être peureux. Donc, c'est la même chose pour les mains. On peut faire des exercices pour les mains, mais si on a peur, on va tirer sur les rênes. On n'a pas de choix. C'est juste, c'est naturel. Donc, à la semaine prochaine, oui, c'est sûr qu'on va jouer avec tout ça. Parfait. C'est toujours plus facile de le tester, de le pratiquer, que c'est ça. On va le plus le comprendre. Donc, autre question, comment bien suivre le mouvement du cheval au trot assis? Dave, je vais aussi jouer une autre vidéo, donc qui va nous permettre de bien voir. Oui, donc ici, on va juste regarder des petites idées. Ce n'est pas une recette ou quelque chose, mais c'est juste un peu pour entraîner les yeux. Donc, ça, c'est une vidéo de moi en reculant pour voir où est-ce qu'il y a les remorques en arrière et comment la façon que je suis plus grand, plus court. Et ça, madame est sur une trampoline. Donc, l'idée d'un spring vertical pour rester dans le point lourd. Ici, avec le bassin qui va aller un peu rouler vers l'avant, rouler vers l'arrière. Ça, c'est des gens qui le font vraiment lentement pour démontrer c'est quoi. Ici, le squelette à cheval pour démontrer c'est quoi dans la colonne vertébrale, la cage thoracique. Et ici, il y a une fille québécoise, Alexia Monte. Elle, je l'avais demandé d'exagérer ce mouvement-là. Donc, elle fait bien avec le bassin. Ici, on voit une jambe X. Donc, si on regarde, ici, les gens poussent d'un pied vers l'autre bras. Ça, c'est des personnes qui font le ballroom. Donc, ils bougent très bien. Il pousse d'un pied, donc on peut dire l'autre l'étrier pour devenir long sur l'intérieur. Et ça, ça va aller dans le trot. Si on imagine le petit X dans le corps, on peut voir lentement, ce n'est pas un mouvement exagéré, de l'échelon droit vers l'épaule gauche et de l'opposé. Quand on met tout ça ensemble, le spring, le vertical, le cheval qui bouge, le dos de le cheval, on voit une jambe de pendule. Parce que le dos de cheval, ça va bouger dans trois dimensions. Donc, on regarde l'ange droite vers l'eau, l'ange gauche vers l'eau. On voit ça dans les épaules, les oreilles. Ici, ma petite nièce, elle avait 10 ans ici. Et tout, c'est facile, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas 10 ans qu'on devrait être rigide. Mais on voit qu'elle est capable de bouger dans l'encolure et le spring, les mouvements diagonales. Cette fille-là, c'est intéressant parce qu'elle était sur l'équipe américaine de triathlon. Elle était très, 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 très en shape, mais trop. Donc, c'est sûr qu'elle montait bien la position, mais pour moi, elle était rigide. Ici, on voit la fille d'Isabelle, Béatrice, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus souple. Elle n'est pas attachée à une idée d'être rigide ou ne pas être flexible. On voit tout ça, qu'est-ce qu'on avait vu dans mon nièce, mais avec l'âge et l'entraînement qu'elle a, elle peut vraiment montrer aux chevaux quoi faire
elle peut filtrer les mouvements du cheval et de le prendre, qu'est-ce qu'il y a déjà là, naturellement, et de le changer avec le cheval. Donc, c'est pas, c'est quelque chose avec la force, mais elle le prend dans le corps, elle demande un peu plus de cadence ou de croisement. Et le cas ici, c'est d'une vieille madame de 89 ans. Elle monte bien, je trouve. Elle avait arrêté de monter pendant 40 ans. Avant ça, elle a fait la chasse. Et ici, on voit aussi un autre vieux cheval. Il était, comme Isabelle, moi aussi, je travaille beaucoup avec des chevaux, avec des problèmes. Lui aussi, il était en retraite, ce gris-là. Donc, c'est tout, je pense, pour l'idée. Et oui, ça, c'est une classe que... Donc, pour moi, l'idée de comment est-ce qu'on peut asseoir mieux dans le trot, c'est est-ce qu'on peut apprendre un peu à développer nos yeux de qu'est-ce que c'est quoi dans le mouvement? Parce que ce n'est pas une position, ce n'est pas d'être rigide. Oui, on devrait être souple, mais ce n'est pas juste souple et on le laisse. Donc, c'est une façon de... On va filtrer le mouvement, mais où? Parce que le mouvement, ça va venir dans notre corps, mais il faut que ça va quelque part. Donc, c'est tout pour... cette question-là. Isabelle, veux-tu ajouter quelque chose? Ben non, c'est bien. C'est bien, tu as bien fait ça. Puis de toute façon, la semaine prochaine, je pense que ceux qui vont vouloir se joindre à vous autres, ça va être bien. Ça va être bien parce que tu vas vraiment... Ils vont pratiquer un peu ce que tu viens de décrire, en fait. Ils vont mieux comprendre. Ouais. Puis est-ce que vous recommandez aux cavaliers d'avoir un entraînement physique complémentaire? Donc, que ça soit de la course va venir. Okay. Pour aller. Okay. On va muter. Pour justement les aider à avoir plus de cardio au trot assis, pour les aider à être plus efficaces. Est-ce que c'est des choses que vous, vous conseillez? Ou parce que souvent, ça peut être la difficulté aussi avec le trot assis. Ben, c'est sûr que d'être en forme, c'est déjà une bonne chose pour monter à cheval parce que, bon, tout le monde, dit, beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça disent que c'est pas un sport. Mm-hmm. Mais je pense qu'à quelque part, c'est un grand sport. Et puis, non, fait que c'est sûr que d'avoir du cardio, de toute façon, on le sait, on a arrêté là, pendant 2 mois de monter la plupart. Et puis, quand on se remet à cheval, on fait « oh my God! » On a perdu l'équilibre, mais on a perdu aussi du cardio, incluant nos chevaux. Donc, oui. Puis, beaucoup d'étirements pour connaître son corps aussi, puis de bien pouvoir se scanner une fois à cheval. Donc, surtout la souplesse, le cardio, puis ensuite la force musculaire. Donc, ce n'est pas nécessairement des exercices de musculation qui seraient nécessaires, mais vraiment plus de souplesse et un bon cardio pour suivre le cheval quand même. Donc, autre question. Est-ce que l'assiette doit être différente selon l'âge et le niveau du cheval? Isabelle, je vais te laisser répondre en premier. Donc, la première constatation, justement, tu en as parlé, Dave, tout à l'heure, d'avoir... on s'est toutes fait dire ça, je suis sûre, jeune, avoir l'oreille, la pointe de l'épaule, pointe de hanche, talon, droit comme une barre et il ne fallait pas bouger de là. Et puis, bon, au fil des ans, on sait bien que ça, droit comme ça, rigide comme ça, c'est impossible. Deuxième chose, c'est que le cheval, on ne peut pas ressentir ce que le cheval fait sous nous si on est tellement rigide et contracté dans nos muscles. Donc, à quelque part, il faut changer notre façon comme de communiquer avec les chevaux. Des fois, ils sont plus jeunes, des fois, ils sont plus vieux aussi. Donc, il faut que notre cheval soit heureux, premièrement. Deuxièmement, c'est sûr que l'assiette, plus qu'elle est fluide, plus qu'elle ne dérange pas le cheval, mieux c'est. C'est ça. Fait que je pourrais dire qu'en fait, c'est que votre cheval ou les gens aussi, s'ils ont des problèmes aussi physiques, pourraient faire du trot enlevé tout le temps. Il n'y a pas de problème à faire du trot enlevé tout le temps. On peut même faire presque tout, le passage même en trot enlevé. Ça pourrait être avec quasiment presque pas assis. Donc, tous les mouvements de dressage peuvent se faire au trot enlevé. Donc, si c'est pour notre cheval qui a moins de musculature puis qu'on vient de travailler, on veut travailler sur son dos puis qu'on a besoin d'être en trot enlevé, il faut le faire.
trop assis. Si on est à l'aise, on peut le faire aussi. Mais de bien jouer avec ça. Fait que oui, il faut que ça soit différent. Et puis, au niveau des jeunes chevaux aussi, c'est que les jeunes chevaux, ils n'ont pas appris, ils ne sont pas nés avec l'idée qu'ils se fassent monter. Donc, pour eux, avoir quelqu'un sur leur dos, il faut qu'ils dérangent le moins possible. Donc, pour déranger le moins possible, moi, je dis souvent à ceux qui ont des jeunes chevaux que je vais voir, c'est choisissez ce qu'ils aiment le mieux. S'ils aiment mieux que vous soyez assis, parce que ça dérange moins, trop enlevé, c'est sûr que ça change l'équilibre du cheval. Si ça le dérange trop, rester assis pendant un bout de temps. Si assis, il n'est pas bien, rester en trop enlevé, en deux points de contact. Si on le sent stiff une journée, notre cheval, puis qu'on veut le lousser, puis qu'on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mettez-vous en deux points de contact, puis allez voir jusqu'où votre cheval vous demande de changer une fois de temps en temps. Fait que oui, pour moi, peu importe l'âge, peu importe le niveau du cavalier ou même le niveau du cheval, on peut changer de position. Mais l'assiette reste l'assiette. Il l'a dit, Dave, c'est pas juste notre siège, mais bien tout notre corps. Donc, pour communiquer avec notre cheval, il faut que notre assiette soit bien équilibrée. Peu importe le deux points de contact, trop enlevé, trop assis, galop en deux points, galop assis, etc. Donc, oui. Garder l'indépendance des aides, peu importe. Garder l'indépendance des aides. Je vais donner une petite anecdote. J'avais un jeune cheval que ça faisait un petit bout de temps qui était monté quand même, mais il y avait des problèmes. Il était toujours comme ça avec son encolure, puis ça ne fonctionnait pas. Puis quand on l'a eu à l'entraînement, Béatrice, assis, debout, peu importe, il n'y avait rien qui fonctionnait. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, deux points de contact, mais mets tes mains le plus possible vers ses oreilles que tu peux, puis on va le rider de même. On l'a raidé comme ça presque 2 à 3 semaines avant qu'elle puisse se rasseoir. Fait que elle a utilisé tout le reste de son corps. Non, elle n'était pas assise sur la selle, mais elle a tout utilisé son corps pour que le cheval soit heureux, puis pour que la suite, après ça, bon, on le connaît très bien, il a remporté cette année le cheval de dressage, donc voilà. C'est ça. Dave, à toi. Non, je suis d'accord avec tout ça, et je vais juste essayer d'expliquer un peu pourquoi ça marchait, le dernier cheval qu'elle avait parlé. Donc, avant que j'explique ça, je vais dire, oui, exactement qu'est-ce que Isabelle a dit. Les chevaux, quand on met une selle, on met un cavalier, le cheval, même si c'est parfait, c'est un cheval athlétique, on ne rend pas service à la cheval. Donc, le cheval devient pas en équilibre. Donc, c'est quoi le problème? Le cheval doit comprendre avec quel partie de le corps, ça va prendre le poids du cavalier. Donc, je vais demander une question avec 3 différentes options. Donc, on a un cheval, parfait cheval de dressage athlétique, et là, on va monter, on met la selle, on met le cavalier. Avec quelle partie du corps le cheval va essayer ou pas essayer, doivent essayer de avec ce nouveau difficulté, le problème, c'est quoi? Je ne peux pas vraiment exprimer c'est quoi, mais c'est un problème. Avec quelle partie de le cheval va mieux aller avec ça? Donc, c'est la première option, la tête, l'encolure, les épaules, l'avant-main. Deuxième option, le dos du cheval et les abdominaux. Et la troisième option, c'est les hanches. OK? Donc, une question, c'est option 1, l'encolure, la tête. C'est qui va avec ça? Utilisez le plat aussi, si vous voulez. Oui. Donc, la deuxième option pour le cheval qui veut apprendre comment équilibrer le cavalier. La deuxième option, où est-ce qu'il y a la selle, le dos et les abdominaux. La deuxième option, OK, donc souvent, c'est assez populaire. La troisième option, c'est les hanches.
aussi populaire, parce que pourquoi pas, les anges, André Sage. Toujours les pastorières, les anges. Oui, c'est les pastorières. C'est ça. Mais intéressant, c'est avec le coup. C'est la première option. Et moi, je parle d'une jeune cheval, parce que tout ce que moi j'ai appris, c'est le, qu'est-ce qu'ils appellent en allemand, les remontées. Donc, si on peut prendre le mot, c'est remonter, c'est les chevaux pour l'armée. Donc, c'est tout le monde qu'ils ont monté un peu en deux points, en suspension, un peu comme Isabelle a expliqué, les mains en avant, pour que les chevaux arrêtent de faire ça avec le dos et l'encolure. Parce que ça, c'est le réflexe normal, c'est de le faire un peu comme un sac sur notre dos. Mais les muscles de dos du cheval sont pas faits pour prendre ce poids-là, sont faits pour bouger. Donc, on appelle ça le long back muscle. Je m'excuse, je ne sais pas comment dire en français. Et l'autre chose, c'est que c'est un ligament qui vient au niveau de le garrot jusqu'à la nuque, qui s'appelle en anglais knuckle ligament. Ça devrait être quelque chose comme ça. Et si c'est allongé, c'est avec ça qu'il va un peu rouler le garrot pour équilibrer ce nouveau poids. Donc, c'est un peu, on peut dire pourquoi ça marchait. Oui, il y en a des gens qui disent, oh, le cheval, mettre la tête pas dans l'air, je vais mettre des rênes allemands, je vais faire ça. En tout cas, ça ne marche pas si on essaie de, si on n'est pas capable de demander le cheval de se tirer vers l'avant. Je ne dis pas nécessairement plus bas. Mais le cheval, un nouveau cheval ou peut-être un cheval d'école qui n'a jamais appris comment, qu'est-ce que je fais avec ce poids-là. Donc, si on parle des chevaux d'école, souvent dans le dos, ils vont aller comme ça, bouger raide. Mais ce n'est pas une question de l'encolure, c'est une idée de est-ce qu'il peut aller vers l'avant. Donc, après, un cheval qui est bien entraîné, le muscle de l'encolure, ils vont faire la même chose. Comme ça, le dos du cheval est libéré. Et je vais expliquer une autre fois, pas expliquer, mais vraiment insister, comme Isabelle a dit, de le faire tous, trop enlevé, un peu léger pour ne pas trop pousser dans le dos, ne pas s'écraser, lever le dos du cheval et ne pas essayer de le penser que le cheval doit prendre notre poids comme un sac. Parce que ça ne marche pas. Un animal de quatre pattes avec une longue encolure, il faut s'élever un peu comme une pont et pas l'autre sens. On sait tout ça. Donc, j'espère que ça a aidé un peu expliquer pourquoi ça marchait, qu'est-ce qu'Isabelle a fait avec Béatrice. Merci. Même un cheval de plus haut niveau, plus avancé, qu'on aurait tendance à monter toujours avec une assiette plus profonde, plus deep, bénéficierait quand même, j'imagine, d'une assiette parfois plus légère pour lui laisser plus de liberté puis plus de liberté justement d'encolure puis de mouvement et non de restreindre tout le temps, peu importe le niveau, j'imagine. Oui, quand ils sont plus forts, on est capable de... Et le centre de gravité est plus en arrière et les muscles sont faits ici. On n'a pas besoin d'aider comme tel les jeunes chevaux à aller prendre le contact. Et les muscles sont là dans les fesses et on transfère un peu de poids. Mais l'idée est que le dos reste capable de bouger. Ça, c'est très important, le long back muscle. Et si on pense peut-être... on peut essayer nous-mêmes aussi à quatre pattes. Marcher, c'est quoi? Un côté va aller long, un côté va aller court, et ça va aller comme ça. Et dans le trot, c'est un peu impossible pour nous pour essayer ça, mais quand même, c'est le gabarit qui va bouger, un côté qui va aller haut, un côté qui va aller bas, une rotation et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas s'écraser, pousser dans le dos. Mais oui, on va s'asseoir plus profond. Mais si le cheval vient vers nous et tout c'est là, tout le corps, et si c'est possible. Donc, ça, c'est une réponse qu'il faut dire, ça dépend. Mais surtout, les chevaux, c'est pour ça que ça prend des années pour former des chevaux. C'est vraiment un travail des années. Mais peu importe finalement le niveau du cheval, on ne veut pas de rigidité dans le corps du cavalier et dans le corps du cheval. Donc, ça peut résumer, disons, si on peut dire le principe. Super. Donc, autre question. Dave, je vais te laisser commencer. Donc, comment avoir puis garder l'impulsion, la fameuse impulsion? Je vais jouer en même temps une vidéo qui va bien nous montrer. Donc, pour l'impulsion, dépendant de la façon que vous êtes entraîné,
c'est on travaille avec la pyramide d'entraînement. Donc, c'est une toute petite vidéo de la Fédération allemande. La madame, elle est assez quand même bien. La raison que j'ai choisi cette vidéo-là, c'est la rectitude. Si on regarde, le cheval n'est pas trop plié, c'est vraiment droit, c'est en dessous. Le nez avant la verticale. La madame, elle est vraiment au milieu dans la centre, le point lourd. Elle n'a pas trop de tension dans les reins. Et là, le cheval est capable de changer un peu la façon de bas du dos, le bassin. Le centre de gravité est plus en arrière, le point lourd, et le cheval peut s'avancer vers l'avant. Donc ça, c'est, si on regarde dans le pyramide d'entraînement, si on a le rythme, après la souplesse, le contact, après c'est l'impulsion. Mais ici, on voit bien que ça va bien avec la rectitude et la ressemblée. Donc, il faut jouer un peu avec ça. Donc, on a les guides comme tel, mais l'impulsion, pourquoi ajouter un peu de... je pense que c'est Klaus Balkenhol qui a dit, c'est ajouter l'impulsion sur un cheval qui n'est pas en équilibre, c'est comme mettre la gasoline sur un feu. Ce n'est pas une bonne idée de pousse, 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 pousse. Si le capable est bien préparé, et oui, souvent les gens pensent que dans le système allemand, c'est tous impulsion, vas-y, 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 tout se fait régler, juste mettre pouce de l'en arrière. Ce n'est pas tout à fait ça. Comme je dis, qu'est-ce que Klaus Balkenhol il a dit, pour que les gens le connaissent, c'est qui? C'est quelqu'un de très spécial. Et je sais que Isabelle aussi, elle a étudié beaucoup dans le système allemand, mais aussi dans le système français. Et on voit ça souvent dans le système français, qu'ils ne vont pas trop pousser et précipiter les chevaux. Donc, l'impulsion, pour moi, c'est, on peut dire aussi, c'est une expression de la rassembler. C'est pour ça que je parle de la pyramide d'entraînement, mais il faut jouer un peu avec ça. Et si quelqu'un qui est ici, qui aime ça cuisiner, c'est un peu, on ajoute un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais si on sait que c'est quoi qu'on essaie de faire. Donc, si le cheval il est en équilibre parce que le rythme est bon ou l'équilibre est là et le rythme est bon, tout ça va ensemble. Isabelle? Oui, bien, c'est bien. En fait, aussi, l'impulsion, souvent, on se fait dire, c'est le désir du cheval d'aller en avant aussi. C'est sûr que si notre cheval est un peu plus paresseux, on va dire, on va avoir une assiette un peu plus électrique. Si notre cheval est trop électrique, il faut avoir une assiette un peu plus retenue. Il faut jouer aussi. Notre assiette reste fluide, mais par contre, il peut augmenter au niveau d'avoir d'électricité pour amener plus de gaz un peu. Puis d'autres fois, il faut l'éteindre un peu. Donc, allez jouer avec ça. Puis la pyramide, j'aime bien la pyramide. Sauf que parfois, justement, c'était trop comme tu fais ça en premier, tu fais ça en premier, puis souvent les gens restent pris dans la pyramide, mais justement, il faut jouer. S'il manque de cadence, bien, des fois, ça peut être justement la rectitude qui vient plus haut, mais le straightness qui vient plus haut, mais s'il manque de cadence, retournez pas en bas, la souplesse, ou tu sais, jouez avec tout ça en même temps, puis faites des vagues là-dedans. Parfait, merci. Autre question. Améliorer le bas de la jambe avec une jambe qui serait trop en avant. Est-ce que Isabelle, tu aurais des conseils pour un cavalier qui aurait la difficulté? Oui, ben, en fait, les jambes trop en avant, je m'excuse, Jacqueline, les jambes qui sont trop en avant, en fait, souvent, ça vient d'une assiette qui n'est pas assez fluide la plupart du temps ou trop rigide. S'étirer beaucoup, étirer les psoas beaucoup. Souvent, je vois énormément de cavaliers qui sont hyper fermés au niveau des hanches. Donc, il faut ouvrir nos hanches, aller vers l'avant un peu, comme si on quelque chose. Mettons une image mentale. Pensez que c'est un livre qui est fermé, notre bassin, puis que quand on est à cheval, on veut un livre ouvert un peu. Donc, être ouvert pour laisser passer l'énergie, laisser passer aussi les mouvements du cheval. Il y en a qui bougent plus que d'autres, moins que d'autres. Et puis, ça, c'est une grosse partie. Ensuite de ça, si on vient à crisper au niveau de
J'ai juste en anglais. Thigh and string. Donc, je sais. Ah, les cuisses, la partie arrière de la cuisse, hamstring. Si on vient vraiment très crispé à ce niveau-là aussi, on ferme beaucoup, puis là, notre assiette peut moins bien suivre le cheval, donc nos jambes vont aller en avant. Fait que souvent, la première chose qu'on entend souvent pour nous aider, c'est on enlève les étriers, puis on allonge notre jambe, puis après ça, on fait nos exercices d'assouplissement, on met nos étriers, puis ça devrait rester comme ça, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça va. Donc, il faut se pratiquer beaucoup. Et aussi, ça fait partie de l'équilibre du corps aussi, du cavalier. Donc, si nos jambes sont trop en avant, ça peut vouloir dire aussi qu'on est trop en arrière avec notre tronc. Et le contraire, s'il y a une jambe trop en arrière, souvent, on voit les gens un petit peu trop penchés en avant également. Donc, quand vous avez les jambes en avant, faites beaucoup, beaucoup d'exercices. Changez de position. J'aime beaucoup le trot pour faire ça. Changez votre position à toutes les 10 foulées. Fait que 10 foulées assis, 10 foulées debout, 10 foulées en trot assis, trot enlevé, pardon, 10 foulées en deux points de contact. Prenez de la crinière, hein, parce que sinon vous allez retomber dans les rênes de votre cheval. Donc, une reine sur les mains, puis une main sur les rênes, puis mettons l'autre main, on prend un peu de crinière là, pour se maintenir en position debout. Et quand vous allez être capable de changer comme ça, souvent, vous allez avoir une jambe vraiment plus droite. Ouais. Une selle bien adaptée aussi, j'imagine, va aider le cavalier à se trouver plus naturellement aussi sa place sur le cheval. J'ai pas compris le début. Une selle qui va être bien adaptée. Oui. Oh oui, oui. On peut pouvoir poser ce problème-là aussi, une selle qui serait... Oui, exactement. Il y a beaucoup de rembourrage aussi qui n'aide pas la cuisse du cavalier. Il faut faire attention. La morphologie aussi au niveau des femmes, surtout. Les hommes, c'est plus longitudinal au niveau de la cuisse. Nous, on peut avoir un galbe, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas avoir trop de rembourrage. Fait que c'est bien de travailler avec un bon sellier aussi. Mais je sais que ce n'est pas permis à tous de pouvoir se payer des bonnes selles. Donc, cet exercice-là peut vous aider. Parfait. Merci, Dave. Oui, j'étais allé trouver mon petit ami ici pour expliquer un peu qu'est-ce qu'elle disait. Je suis d'accord avec tout ça. Et tantôt, Isabelle avait parlé aussi de la ligne qu'on avait appris comme enfant. Et comme ça donne un peu la rigidité aux gens ou l'idée de qu'est-ce qu'on doit faire. Mais Isabelle, elle a bien répondu à la question et je pense que la personne qui a demandé ça veut changer ça un peu. Donc, moi, je veux ajouter en première, ce n'est pas nécessaire de changer la position de jambe parce que si on voit un peu les différentes conformations, surtout dans les femmes, la jambe, à cause de la position de bassin de les femmes, la cuisse veut aller un peu plus en avant. Donc, si on pense un peu plus le Spanish Riding School ou peut-être ce genre de... C'est des minces hommes très grands et ouais. Les hommes sont capables d'avoir cette position plus près à la ligne. Ça va aller plus simple, c'est plus facile. Et souvent, les femmes, ils ont trop, mais pas trop, mais plus de tension dans les cuisses en avant. Donc, je m'excuse, avant, on avait parlé des quadriceps. Mais les hamstrings, si c'est les hamstrings, on a la position un peu plus assiette, de chaise. Et si c'est plus en avant, on a le bas du dos comme ça, les jambes un peu en arrière. Donc, une autre fois, c'est le bassin. Si on pense à le bassin comme ça, comme une bol de soupe, si, oui, j'aime bien l'idée de le livre aussi, qui est ouvert ou pas ouvert, mais si on regarde de l'avant, on peut dire que c'est comme un éléphant. On veut que c'est ouvert, oui? Et de côté, une bol de soupe, la soupe veut aller vers l'avant, le bas du dos va aller dans lordosis, en anglais. Lordosis. Et dans l'autre façon, ça, c'est plus la position de chaise qu'on fait ça. Oui, ça va aller. Ça, donc, c'est l'idée de, on va dans flexion ou extension. Extension, ça veut dire comme ça, et flexion comme ça.
Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on a, on veut faire, mais je sais que c'est pas tout le monde. Tout le monde ne va pas dire que oui, j'adore Isabelle Vert, mais elle a, on peut dire, un corps pas typique de dressage. Oui, elle est plus normale, on peut dire, que comme la plupart des femmes. Et elle monte super bien. Oui, des fois qu'elle bouge un peu plus et tout ça, mais elle est correcte avec les jambes un peu en avant. Et c'est sûr que les juges ne les donnent pas des mauvaises notes. Donc, je pense que l'idée de... qu'est-ce qu'on dit dans le travail de Feldenkrais? Quand on sait qu'est-ce qu'on fait, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment dépendant de qu'est-ce qu'on veut. Et oui, ça dépend sur le cheval, dépendant sur le stage de développement du cheval et aussi sur les selles. Mais à la fin, oui, il faut discuter avec vos entraîneurs et décider un peu c'est quoi qui va bien, c'est quoi qui est facile. Parce que pour aller, oh, je veux mettre la jambe en arrière et après, on est rigide, ça ne vaut pas la peine. Mmh. Donc, trouver la cause un petit peu aussi de la position. Hein. Good. Donc, autre question. Comment rider un flying change pour un cheval qui débute? Donc, on a les jeunes chevaux qui commencent, sont parfois déséquilibrés, c'est plus difficile. Comment l'aider avec notre assiette? Dave, je vais te laisser commencer. Oui, une autre fois, je vais dire que ça dépend. Ça dépend vraiment sur l'âge du cheval, c'est quoi l'idée. Donc, des fois, si j'ai des jeunes chevaux de 3-4 ans, je vais prendre le flying change, le changement de pied, si c'est disponible. Je ne le force pas, mais je ne dis pas non, tu vas faire le contre-galop en premier. Souvent, je vois des erreurs. Les gens qui l'entraînent un peu tout le temps en rigidité de « oh, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 2 ». Parce que si tu passes beaucoup de temps, dire « non, 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 change pas », ça cause des problèmes. Parce que c'est naturel pour un cheval pour changer. Et c'est souvent nous, dans notre tête, qui va « oh, c'est le changement de pied, c'est, je suis rendu niveau 3, c'est difficile ». Oui, on veut ça, des changements « uphill ». Le cheval est bien en équilibre. Oui, ça prend à peu près le niveau de façon d'être porté au niveau 2 à peu près. Mais comme j'ai dit, je pense, je ne peux pas donner la recette. Il y a plein d'exercices comment le faire. Et il y en a des cavaliers, des entraîneurs qui aiment quelques exercices plus que d'autres. Mais je pense que l'important, c'est que le cavalier ne devient pas rigide dans la tête que non, tu ne vas pas changer quand je ne te dis pas. Si le cheval change, même si tu ne veux pas, il faut le féliciter. Et souvent, on a les changements de pied gratuits, des free change qu'on ne veut pas au départ. Il faut juste essayer de penser c'est quoi que j'ai fait avec mes hanches ou l'autre du corps, ou c'est quoi qui a donné ces aides pour changer. Et si le cheval change parce que ça devient difficile à rassembler, OK, je le ressemble et je demande le changement. Donc, c'est vraiment découvrir c'est votre quoi qui marche pour le cheval, pour le cavalier. Et c'est surtout, si tu es un entraîneur, c'est l'entraîneur qui guide un peu tout ça. Donc, il y a plein de façons de le faire, mais de le faire dans une façon que c'est pas difficile, c'est facile, c'est naturel. C'est tout. Merci. À la base, surtout être conscient de nos aides, de notre quand prendre conscience des effets qu'on a sur le cheval. Évidemment, si on lui demande sans s'en rendre compte, on peut pas le chicaner puis le bloquer pour plus tard. Donc, c'est tout l'encourager là-dedans. Parce qu'on va en avoir besoin plus tard, c'est sûr, même si on se pratique pour le niveau 2. Isabelle, toi, là-dessus, est-ce quelques conseils pour les changements de pied? C'est un sujet qu'on pourrait parler longtemps, là, mais disons... on peut faire un heure là-dessus. Oui, juste ça. Mais en fait, je suis d'accord. Une grosse partie, c'est que... qui est important, c'est de jamais dire non à un cheval qui nous offre le flying. Pour pas plus tard, quand on va vraiment lui demander, il fasse son je ne peux pas le faire. Alors, souvent, je passe par-dessus le niveau 2. Quand on est rendu au flying change, c'est comme si j'enlèverais de la tête. OK, c'est pas grave. Le contre-galop, on le fera plus tard. Il me donne des flying change. Je fais les flying change et j'améliore ces flying change-là. Puis après ça, j'améliorerai pour lui dire attends un peu. Un petit peu encore. Et là, il va le faire sur demande. Parce que oui, les jeunes chevaux le font la majorité du temps.
de gauche à droite. Puis c'est souvent, il y a un poids à nous supporter, donc quand ils nous donnent, première chose. Deuxième chose aussi, quand on a un plus vieux cheval, ça, un peu pour les jeunes chevaux, c'est ça, mais pour les plus vieux chevaux qui ont vraiment fait le niveau 2 et puis que là, les plain changes sont très, très difficiles, il faut les reprendre un peu à zéro parce que souvent, les chevaux ne veulent pas nous décevoir. Les juments en particulier, ils ne veulent vraiment pas se tromper. Et puis, fait que si on leur a montré à attendre pour les flying chains, c'est-à-dire de rester au contre-galop pour le test de niveau 2, ça peut devenir compliqué. Donc là, il faut vraiment décortiquer complètement le flying change à partir de pas galop, galop pas, compter. Les chevaux aiment beaucoup des rythmes. Fait que si, puis les chevaux sont différents, encore là. Ils peuvent aimer le rythme de 3, donc le galop. Ils peuvent aimer un rythme de 2. Donc, apprenez à ce que votre cheval aime, puis vous faites toujours la même séquence. Donc, par exemple, 3 foulées de galop, pas. 3 foulées de galop, pas. 3 foulées de galop, flying. Genre. Parfait. Super. Mais peu importe, ça reste qu'il faut, à la base, vraiment conscient de son assiette. À la base, demander qu'être conscient de ce qui se passe en fait, on ne demande pas. Je vais être très, très, très stricte là-dessus. On ne demande pas de flying change si on ne sait pas où ce qu'on est assis et ce qu'on a besoin de faire un après l'autre. Exact. Faites vos flying change au sol avec vos pieds à vous et puis ensuite de ça, faites-les à cheval. Parce que ça rend les chevaux complètement, des fois, mon Dieu, ils sont stressés. Perdu, anxieux, peureux et ça ne fonctionnera pas par la suite. Voilà. Non, le temps file. On avait une dernière question, en fait, presque une dernière. La question, c'est de comment aborder l'approche lorsqu'on a des problèmes chroniques, donc au niveau des hanches, du bassin, du cavalier. Je sais que Dave, c'est pas mal ta spécialité avec ta méthode que tu as développée. Avec le temps là, qui file, je pense que ça va être vraiment la semaine prochaine qu'on va répondre à cette question-là. Je ne sais pas si tu veux dire 2-3 mots là, juste pour ce petit... Non, sauf que c'est une autre chose que Dr. Feldenkrais a dit, que c'est de rendre l'impossible possible. Donc, s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de maux dans les hanches, le bas du dos, il veut vraiment monter, ça ne marche pas, ils vont aller quelque... Ça donne l'impression que c'est impossible. Donc, avec cette méthode-là qui change vraiment le corps, le système nerveux, oui, ça peut corriger ces problèmes-là. Donc, l'idée, c'est que l'impossible devient possible, le possible devient facile. Donc, ça, c'est peut-être pour un autre groupe de personnes. Et pour des autres personnes, il y a quelque chose qui est déjà facile, qui devient quelque chose de beauté. Et ça peut aller même plus loin. Des cavaliers olympiques, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs, et déjà, ils montent super bien. Donc, est-ce que c'est possible de le changer un peu? Donc, oui, si c'est une question des maux, des hanches, des problèmes chroniques, oui, on peut travailler ça avec un practitioner, quelqu'un qui est entraîné dans Feldenkrais. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons dans ça. Mais on va toucher sur ça, tout ça ensemble pour tous les niveaux, les problèmes de dos, les problèmes des hanches ou les gens qui veulent aller se bouger un peu plus, ou les gens peut-être qui montent déjà les autres niveaux. On va faire une petite séance la semaine prochaine sur ça, qui va, j'espère, aider tout le monde. Oui, puis tu es particulièrement, je pense, sensible à cette question, vu que c'est une blessure que tu as eue qui t'a amené à apprendre la méthode Feldenkrais. Tu t'es guéri grâce à ça. Et puis, je pense que c'est là-dessus que tu peux aider là, vraiment les cavaliers qui ont des douleurs, qui ont des problèmes, des raideurs. Oui, ça empêche pas de monter, ça empêche pas d'être efficace, ça c'est sûr. Mais il faut être avec un bon entraîneur ou une bonne personne qui connaît cette technique-là. Pour moi, c'est sûr que ça va enlever des douleurs. Ouais. Super. Donc, pour ce webinaire-là, la semaine prochaine, ça va être jeudi prochain, même heure, ça va être le même code d'entrée. Je vais quand même envoyer un rappel à tous là, pour ça. Donc, Isabelle, est-ce que je te laisse un mot de la fin là, pour conclure? Bien, je veux dire merci à tout le monde qui est avec nous.
Merci à vous deux encore. Et puis, je souhaite de tout cœur que vous allez avoir du plaisir avec vos chevaux. Amusez-vous. L'important, c'est pas d'être parfait. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Dave, à toi. Ah, comme la plupart du temps, ou presque tout le temps, je suis toujours complètement d'accord avec Isabelle. Parce que, oui, je peux pas mieux dire que ça, c'est que amusez-vous, prends ça pas trop sérieux, c'est pas l'idée d'être parfait. Si on aime ça nos chevaux, on aime ça qu'est-ce qu'on fait. Le reste, si on est intéressé, on essaie, on nous donne la chance de faire des erreurs, d'apprendre. On est dans une place, c'est pas une chose de performer tout le temps et de le faire bien ou rigide. Donc, elle a super bien dit ça, donc je vais juste dire oui, je suis d'accord et... L'autre chose, un autre fois, merci à tout le monde. C'est vraiment un plaisir que tout le monde... je suis content qu'il y ait beaucoup de gens, toujours au Québec, qui veulent monter mieux pour leurs chevaux. Donc, ça, c'est la raison qu'on essaie d'apprendre ou peut-être penser à d'autres idées. Donc, merci à tout le monde. Et sûrement, merci à Isabelle et Jasmine. Donc, j'ai hâte à la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup, Dave, Isabelle, vraiment, pour votre temps, votre générosité. On voit que c'est super apprécié là, de tout le monde, en tout cas, j'espère. Transférer vos connaissances, je veux dire, c'est vraiment le fun d'avoir un autre médium, une autre façon d'apprendre, mais ça nous rapproche, je pense que ça nous permet d'aller aller d'une autre façon, aller chercher d'autres visions, d'autres expériences, des fois plus facilement aussi comme ça. Donc, on espère faire d'autres séances que vous avez appréciées. On va continuer la semaine prochaine, puis je travaille là, sur d'autres thématiques, d'autres personnalités à inviter. On va essayer de continuer là-dessus parce qu'on peut. Donc, et avant les gens, oui, je peux, excuse-moi, je suis désolé de te déranger quand tu parles, mais avant que les gens parlent, il y a le chat ici. Si tu as des questions, peut-être on peut regarder ça la semaine prochaine, soit envoyer un courriel. Ou ici dans le chat avant que vous partez. Ou si vous avez juste peut-être des quelques mots en passant, qu'est-ce que vous avez pensé de ce soir? Donc, dans le chat, si j'écris quelque chose maintenant, ça devrait allumer. Donc, on a déjà beaucoup de commentaires. Là. Oui, beaucoup de commentaires. Oui, oui. Donc, super. Si jamais vous avez des questions, des commentaires. Donc, désolé, Jasmine, mais je voulais juste... Parfait, Dave, merci beaucoup. Puis justement, pour les questions, effectivement, je vais refaire une page sur Dressage Québec. Donc, si vous voulez en soumettre aussi vos questions par le site, ça va être la façon aussi pour nous de les préparer. C'est certain que le temps est limité, donc on aurait aimé répondre encore plus de questions, mais bon, on a choisi quand même celles qui nous semblaient les plus pertinentes. On va faire la même chose la semaine prochaine. Si on a un peu de temps à la fin, on peut en prendre des questions live. Mais on essaie de, quand même de couvrir là, puis de répondre le plus possible à tout le monde. Donc, c'est ça. Pour que les questions par le site, par le chat, par info@dressagequebec.ca, on va continuer à essayer de bien vous répondre. Fait que, merci beaucoup à tous encore. Bonne soirée. Puis à très bientôt. Bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.